Bonjour et bienvenue dans notre série Les énigmes magiques, ou comment amuser nos invités lors des repas ou à l'occasion d'un goûter. Pour notre énigme de ce jour, nous aurons besoin d'une feuille de papier et d'un stylo. Devant le public, nous allons écrire un mot sur la feuille de papier sans que le public en ait connaissance. Nous déposons ensuite cette feuille de papier sur la table. Nous demandons ensuite à un spectateur de penser à un chiffre entre 1 et 9. Vous pouvez jouer le rôle du spectateur. Une fois ce chiffre choisi, nous allons lui demander de le multiplier par 9. Il devra ensuite soustraire 5 de ce résultat, puis il devra additionner les chiffres obtenus jusqu'à ce qu'il n'obtienne qu'un chiffre. Par exemple, si le nombre obtenu et 78, 7 plus 8 égale 15, 1 plus 5 égale 6. Une fois qu'il a terminé cette étape, il devra transformer le chiffre obtenu en lettres selon le code suivant: A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. Il prendra la lettre correspondante au chiffre qu'il a obtenu et devra ensuite trouver un nom de pays commençant par cette lettre. Une fois le nom du pays trouvé, il prendra la dernière lettre de celui-ci et devra trouver un nom de fruit commençant par cette lettre. Il pourra alors dire à voix haute le nom du fruit qu'il a choisi. Arrive alors le moment où nous ouvrons l'enveloppe. Et comme par magie, nous avions bien écrit le fruit qu'il a choisi. Magique, non ?